Grâce à un territoire en mosaïque, la Brèche jurassienne accueille un grand nombre d'espèces animales et végétales. La présence du site Natura 2000 témoigne de cette importante biodiversité. Aujourd'hui, on vous propose de faire un zoom sur une petite plante des milieux humides, la marsilée à quatre feuilles. Malgré sa ressemblance avec un trèfle à quatre feuilles, cette plante rampante, enracinée dans les vases, fait partie de la famille des fougères. Difficile de la confondre avec une autre espèce. Son feuillage vert luisant au printemps varie au vert brun à l'automne. Grâce à son super pouvoir, elle est considérée comme une plante à éclipse, c'est-à-dire, lorsque les conditions du milieu sont défavorables, elle peut complètement disparaître, puis réapparaître quelques années plus tard. Pour assurer sa reproduction, elle a besoin que se succèdent des phases d'inondation et d'exondation. C'est ainsi qu'on la retrouve sur les berges des étangs, quelques fossés et d'autres zones humides comme les marais. La gestion traditionnelle des étangs permet de retrouver ces différentes phases avec des vidanges et à sec réguliers. Malheureusement, la diminution de ces pratiques au profit de la pêche de loisirs ne permet plus d'assurer des conditions de vie favorables. Présente sur presque tous les étangs de la Bresse au XIXe siècle, seuls 13 sites ont été identifiés ces 10 dernières années en Franche-Comté, dont 60% sur le site Natura 2000 de la Bresse jurassienne. Il convient ainsi de maintenir des pratiques favorables à la gestion de la biodiversité des étangs pour continuer à observer cette espèce protégée et en danger à l'échelle régionale.